belle victoire pour l'équipe Madeleine là, dans Santiago Bernabéu dans cadre 13e journée Liga. Au départ Real Madrid dans match football ça contre l'équipe Valence là, Lounine Tenakan, Caval latéral droite, latéral gauche Mendy, défense centrale Alaba, Nacho, milieu de terrain Eduardo Camavinga, Valverde, Toni Kroos et puis Brahim Diaz remplacé monsieur ça qui même relé Jude Bellingham, il pas capable de jouer match football ça. Et devant Vinicius ak Rodrigo, c'est comme ça équipe Real Madrid elle même était campé dans match of football ça. N'a dit que à la 3e minute de jeu Real Madrid après l'ouvrir score contre équipe Valence là avec un transversal de Toni Kroos pour latéral droite équipe Real Madrid là depuis sous réception il tout servi comme un dribble mettait dans le vent arrière équipe Valence là. On a parlé de Gaia. Monsieur fait une à deux secondes pour le ballon à battre. Il fait une belle frappe à pied gauche. C'était un goal à zéro pour l'équipe Real Madrid. Real Madrid 1, Valence 0 dans le match football. Ça. Et puis, Real Madrid, à la 8e minute de jeu, était capable de faire 2-0. Il y a un coup franc de 25 mètres de Toni Kroos qui frappait dans le bord transversal équipe Valence. Là. Le ça, nous avons joué 8e minute de jeu. Équipe Valence là, qui progressivement après la sortie tête li, d'ailleurs gagné deux bonnes occasions que l'équipe Valence là même li fait 10e et 15e minute de jeu, mais gagné Lounine qui était très bon pour l'équipe Real Madrid là, empêcher Real Madrid li prend goal sur deux bonnes occasions de l'équipe Valence là. À la 16e minute de jeu, yon passe dans deux défenses équipe Valence là, Vinicius dribblé rien Valence là, il est rentré en surface de réparation, il fait crochet intérieur là, frappe pied droit qui contrait dans pied un joueur équipe Valence ballon lui-même, il pas rentré dans camp. Corner sur action ça, on connaît qui beauté à la Rémoise, Vinicius dribblé Ariel en surface là, frappe Vinicius là fait dans premier poteau, il pas rentré dans camp. Le ça on t'a joué 16e minute de jeu. 28e minute de jeu. Yon action samba, brésilien pour brésilien, Rodrigo pour Vinicius, frappe de Vinicius, goal qui peut faire arrière, mais même si le dégol, il peut taper goal parce que Vought a pris la position avancée. Donc c'était quand même une très bonne combinaison entre deux jeunes brésiliens, Vinicius avec Rodrigo. Et puis, 41e minute de jeu, équipe Valence, t'es capable. Égalisé avec l'équipe Real Madrid là, avec un coup de tête raté de Hugo Duro. Le Sandam joué 41e minute de jeu. Et bien tout de suite après, Real Madrid pral fait 2-0. Yon centre sous côté droite là de Rodrigo. Et voilà, Vinicius plané. Li fait gol là avec poitrine. Ballon pratiquement frappé sous Écurson, équipe Real Madrid là. Monsieur font gol avec Écurson, Real Madrid n'a pas de Vinicius. Mais c'est un gol qui fait de manière très intelligente de la part de Vinicius, un centre à mi-hauteur, c'est soit mettre pied ou bien ou baisser net pour mettre tête là. Mais sous centre ça, Vinicius était trop en avant, et bien, il planait, il mettait ballon de camp avec poitrine, le ça, nous avons joué 42e minute de jeu. Real Madrid menait 2-0 avec un Real Madrid qui a gagné contrôle en première période là, qui a gagné un peu de disponibilité dans l'entrejeu Real Madrid avec Eduardo Camavinga qui jouait un excellent match football. Camavinga était très bon pour l'équipe Real Madrid là. Toni Kroos, je n'ai même besoin de parler pour Toni Kroos. Dans le match là, dans l'ensemble, mais Real Madrid là, était correct. Première période là, Real Madrid menait 2-0 contre l'équipe Valence là avec possession ballon. Qui était pour l'équipe Real Madrid là, en dedans et première période ça. Real était 53% de position de balle contre l'équipe Valence là. Oui, l'équipe Valence là était capable et dit-elle que l'était maladroit, surtout avec Hugo Duro qui te joint au moins deux occasions franches pour être capable et faire goal contre l'équipe Real Madrid là. La preuve en est bien grande, il y a une deuxième occasion après 10e minute de jeu. Premier en son contrôle orienté, il fait frappe là, arrêt avec pied de goalkeeper ukrainien Lounin. Il y a une deuxième action, monsieur pas en position avancée, on passe dans deux défenses équipe Real Madrid là, il rate face à face là avec Lounin. Si c'est vrai, on est capable de critiquer et attaquant, mais nous obligé battre bravo pour Lounin qui montrait qu'il a une capacité pour lui
et dans camp pour équipe Real Madrid là Lunin qui était très bon dans match contre équipe Braga et qui était très bon jodi hein, pour équipe Real Madrid là contre équipe football ça qui c'est équipe Valence là. Real Madrid deuxième période là pour le faire 3-0 avec Rodrigo passeur Vinicius buteur et sous action ça Vinicius joue de manière très intelligente, il croise pied pour le voir ballon dans premier poteau hein. Alors que il était plus paraît un ballon qui était capable d'aller dans deuxième poteau hein. Donc ça rappelle bizarrement action que Mbappé très souvent qu'on fait yo. Le lui rentrer ballon paraît dans tête goal qui peut a, si on tire en haut les pieds droit pour aller dans deuxième poteau, il ferme pied à, il fait dans premier poteau hein. C'était quand même une très belle goal de la part de Vinicius le ça. Nous avons joué 49e minute de jeu. Une minute après, l'équipe Real Madrid, lui-même, Libral fait 4-0 avec un mauvais renvoi de goalkeeper georgien. Et voilà, il y a Rodrigo qui récupère le ballon intérieur, pied droit, 4-0 pour l'équipe Real Madrid. À partir de ce moment, Real Madrid 4-0, pas de gagner match, Valence pas dans le coup. Real Madrid est capable de faire 5-0 à la 78e minute de jeu avec un 1-2 Lucas Vázquez Caval. Caval décide, joue de manière très intelligente, il fait frappe là. Non, premier poteau, hein, et goal qui peut faire à Real, il voit le ballon en corner, alors que, Gimoun qui pensait que c'était simple, monsieur, t'as fait, eh bien, monsieur, frappe le ballon en premier poteau, hein, ballon, t'es capable de goal, mais goal qui peut t'as fait, il fait bonne garde, soit action ça, il voit le ballon ça en corner. Eh bien, équipe Real Madrid, là, pour le faire 5-0, hein, avec Fran Garcia, qui lui-même rentré en deuxième période, là, pas de commencer, Mendy, t'es commencé pour équipe Real Madrid, là. Fran Garcia, sous côté gauche, là, joue un Oligo, Oligo fêté, crochet avec pied droit, frappe pied gauche, Real Madrid 5, équipe Valence là 0. Et bien Valence, 4 minutes après, pral, et fait green bon lien à la 88e minute de jeu. On sent que sous côté droite là de la part de Gonzalez, et une belle reprise de la part de Hugo Duro qui est arrivé et fait green goal, équipe Valence là, le ça, nous avons joué 88e minute de jeu. Eh bien, Valence était pensé qu'il était capable d'aller 2 ans. D'ailleurs, dans le temps additionnel match football, ça, 90+3, Gain Lounin qui va le faire un bel arrêt pour empêcher Real Madrid lui-même de prendre goal de match football, ça. Real Madrid, gagné équipe Valence là, 5-1 avec Vinicius qui finit meilleur joueur match football ça. Real Madrid désormais gagne 2 longueurs de moins par rapport avec équipe Girona qui lui-même avant ça et fait une belle victoire sur l'équipe Rayo Vallecano. Comme là. La première chose, n'a dit que Valence était maladroit. T'es maladroit surtout en première période. C'est vrai, Real Madrid fait une belle victoire, une victoire nette pour l'équipe Real Madrid là, mais si nous prenons des occasions franches pour l'équipe et Valence là, qui était capable de déranger quand même l'équipe Real Madrid là. La preuve en est bien grande. Si nous prenons première action en 10e minute de jeu et deuxième action en face à face raté par Hugo Duro et même coup de tête raté ça alors que monsieur Webalo en lui font coup de tête raté tout de suite après équipe Real Madrid à la 42e minute de jeu arrivé fait 2-0 pendant lui même 41e minute de jeu il était jeune opportunité 1-1 donc Valence était maladroit mais équipe Real Madrid là t'a gagné tout contrôle match football ça mon terrain mais attitude comportement mettait Real Madrid là et que ce soit prend Kamavinga était très bon dans sortie de balle là ou un zeste de folie dans Kamavinga dans transition rapide exécution rapide pour l'équipe Real Madrid là dans piqué vers l'avant donc Kamavinga était très bon dans gestion ballon moi même qui ça moi dans Kamavinga moi plus ouais Kamavinga c'est un 8 il pas profil Chouameni parce que profil Chouameni c'est un vrai récupérateur qui dans densité a. Mais Kamavinga li pote ballon moi même moi toujours dis ça seul petit problème moi gen avec li gon tendance pour le pote ballon trop li joint il manque réfléchi mais c'est quand même un très bon technicien c'est un très bon conservateur de balle qui permet équipe Real Madrid là si on t'a parlé de football américain on t'a dit qui permet Real Madrid prendre des yards et bien monsieur était très bon aujourd'hui hein, pour équipe Real Madrid là Toni Kroos c'était très bon tout dans circulation ballon dans sortie ballon avec un pile propreté dans fait des transversales des diagonales et conserver ballon pour organiser jouer Toni Kroos c'était très bon et gestion Ancelotti a fait de Toni Kroos là c'est quand même une très bonne gestion de la part de Ancelotti. Gestion Toni Kroos avec Luka Modric parce que tous les deux pas toujours sous terrain en même temps. Le
Kroos gen lwa souterrain, Modric pas souterrain, et c'est clairement où joine Toni Kroos avec Modric ensemble souterrain pour équipe Real Madrid là, donc quand même j'ai géré et joueur ça yo, et Toni Kroos pas toujours joué tout match pour équipe Real Madrid là. Maintenant en attaque, Brahim Diaz, c'est un profil qui est très différent de Jude Bellingham. Lui-même, il a un profil qui est calculateur. C'est ça, un vrai 10. Qui a réfléchi, jouet, qui a baillé, et jouet l'enrit, qui a baillé le tempo, le pour le bali. Bellingham, son profil qui est très différent. Bellingham, son profil box to box. Et je dis là, en tant qu'équipe Real Madrid, il a un profil en quelque sorte de numéro 9. Parce que c'est lui-même qui n'a projection pour l'équipe Real Madrid là, et c'est ça tout qui fait Bellingham a fait tout goal ça yo, parce que lui toujours plus fréquent dans attaque Real Madrid là. Parce que dans la logique Real Madrid a joué dans un 4-4-2 en forme losange, le Real Madrid a défendre lui défendre en 4-4-2, le là attaquer moun ki 10 là, il pratiquement devant avec deux joueurs devant eux qui c'est Vinicius à Coligo. Donc Real Madrid, oui, ou capable de dire 4-4-2 en forme losange, mais le lap attaqué c'est en 4-3-3 que lié. Le lap défendre, il défend en 4-4-2 avec joueur qui est en position de 10 là, il rentre dans le terrain accompagné trois autres mi terrain yo, média défensif là plus deux milieux relayeurs yo, et lui-même il vient aider. Maintenant les profils sont très différents de profil. Bellingham n'a parlé de Brahim Diaz. Il est plus dans contrôle, dans gestion ballon. Alors que Bellingham lui-même est plus allé vers l'avant, box to box là, mettait en pile intensité, en gros volume football. Moi constaté que match Braga, match contre Valence là, deux matchs que Bellingham bala, moi constaté que attaque Real Madrid est beaucoup plus fluide. Dans la transmission jouet là, dans l'élaboration jouet là, et deux joueurs devant yo, yo arrivé jouer pi bon match yo pendant Bellingham bala. Ça veut dire que ça veut dire que faut qu'on moun suive ça avec pincette. Le fait que pendant Bellingham bala, Vinicius Akoligo délivrer marchandise là. Et match contre équipe Valence là, Rodrigo fait deux goals, il baille deux passes. Décisif. Ça veut dire que c'est le genre de match complet. Et pour un joueur football, équipe vous fait 5 goals, ou fait 2 goals, ou bien 2 passes. Vous avez un comportement, vous avez une attitude. Et Odigo. Odigo, tu es à droite, il est à gauche. La preuve, si nous prenons goal équipe Real Madrid, là, fait, on parle de goal Vinicius, là, deuxième goal Vinicius, là, Odigo, tu es à gauche. Premier goal Vinicius, là, Odigo, tu es à droite comme un vrai ailier. Il était à droite sur premier goal Vinicius, deuxième goal Vinicius là, il était à gauche. Et si nous prenons goal Lia, premier goal Lia, il était dans l'axe, il était dans cœur défense équipe adverse là, sous mauvaise passe de goalkeeper Georgien. Deuxième goal là, il était dans axe mais un petit peu décalé sur côté gauche là. D'ailleurs c'est sur côté gauche en fait goal là. Moi t'ai aimé animation offensive qui était gagné dans cas équipe Real Madrid là. Et attaque là, t'es gagné en pile diversité. Attaque Real Madrid là. Avec Vinicius qui à droite, à gauche, dans axe. Donc ça, c'était quand même une très bonne chose, un très bon constat dans match football ça. Attitude joueur football ça, qui était gagné beaucoup plus de liberté aujourd'hui. Hein. Vinicius jouait un excellent match, c'était véritable et détonateur. Hein. Il était joué de manière très intelligente, même l'homme pensé. Il y a une action arbitre qui est capable de faire une pénalité. Mais l'homme a regardé l'action, ça. Oui, il frappe dans mes joueurs là. Mais c'est un tir qui est complètement dévissé de la part de Vinicius, qui quand même a une opportunité pour le défendre triplé pour l'équipe Real Madrid là. Mais dans le choix, il était bon. Moi, j'ai aimé le comportement dans le choix. Et il était juste, le boule juste. Effectivement, il a mis plaisir, effectivement, il a fait public là. Et levé pour un dribble, etc. Même tes remis comportements dans l'ensemble. Il est valable pour Rodrigo tout, qui était très bon pour l'équipe Real Madrid là. Brahim Diaz, j'en dis, il est en contrôle, il est en gestion, il joue un bon match. Et pas même Jean avec Match Braga, mais c'était quand même un joueur qui était bon pour l'équipe Real Madrid là. De ce fait, Brahim Diaz m'a dé plus minutes. Parce que lorsqu'il y a des comportements dans l'ensemble, il joue au football et jouer dans un petit espace, dans un demi-espace, capacité de gagner pour le connecter avec deux joueurs qui sont prétendants, c'est quand même correct. Il respectait ça pour le respecter dans le match football. Donc, Brahim Diaz m'a dit. Donc, Vinicius, à Rodrigo, tu es excellent aujourd'hui. Deux goals, deux passes pour Rodrigo.
Vinicius fait deux goals pour l'équipe Real Madrid là. Au final, Maison Blanche là, crasé équipe Valence là. Même là, ne pas oublier bon match de Dani Carvajal, bon match de Eduardo Camavinga. Et surtout Lounine, qui était très bon contre l'équipe Braga et contre l'équipe Valence là.